Salut, c'est François. On se retrouve pour une nouvelle interview sur Époque Auto. Et j'ai le bonheur, la joie, il ne sait pas à quel point je suis admiratif. Donc, ce qu'il doit voir que des gens qui sont admiratifs avec Jean-Pierre Jarier. Et moi aussi, je suis ravi d'être là. Parce que c'est quand même un endroit symbole de la compétition. Et même si je ne cours plus maintenant, eh bien, j'ai des tas de souvenirs, des tas de copains pilotes que je vois et je suis heureux d'être dans ce monde-là. Et vous êtes là aujourd'hui seulement le vendredi ou tout le week-end? Non, jusqu'à dimanche. Alors, un des points importants et sympas sur Époque Auto, c'est qu'il y a beaucoup de pilotes qui sont là et ils sont accessibles, ils ont tout le temps le sourire. Donc, vous approchez, vous parlez, ils sont ultra sympas, open, et ça, c'est vraiment très agréable. Merci beaucoup. Écoutez, c'est grâce à monsieur Passot, à Claude Passot, si on est nombreux. Parce que l'année dernière, on n'était pas nombreux du tout, on n'était que deux. Et j'ai vu que ça a attiré tout le monde. C'est comme les canards sur un lac pour un chasseur. Et donc maintenant, on est là plus nombreux et ça me fait plaisir. Et donc, on a discuté un petit peu avant. Bon, monsieur Jarier, il a couru en Formule 1, il a couru pour Shadow en particulier, mais surtout il a couru pour Lotus. C'est pas tout le monde qui a couru pour Lotus. Et on parlait des bonheurs que vous avez quand même eu chez Lotus pendant les deux courses que vous avez faites. Si je dis pas de bêtises, deux courses. J'ai eu beaucoup de malheurs au début de ma carrière en Formule 1, avec des voitures qui étaient tombées en panne d'essence ou moteur. Et donc, il n'y avait pas beaucoup d'écuries qui savaient faire de la mécanique comme Ferrari ou quelques équipes anglaises, donc j'ai pas eu des résultats extraordinaires, sauf en proto. En proto, j'étais champion du monde avec Matra, Alpine Renault et Alfa Romeo. C'était successful, mais en Formule 1, j'avais un chat noir et ça n'a pas marché parce que je suis tombé en panne tout le temps. Sauf, et même quand j'ai conduit la Lotus à la demande de Colin Chapman pour remplacer Ronnie Peterson, qui était disparu, fait deux courses, j'ai mené tout le monde dans cette course-là et j'ai été vraiment au sommet avec cette voiture, avec 40 secondes d'avance sur le deuxième, qui était Villeneuve, à la fin, mais deux tours avant la fin. Elle est tombée en panne comme les autres, donc je suis quand même, ça m'a pas fait de peine pratiquement, parce que c'était tellement habituel, ça m'arrive ça, et ouais, Colin Chapman m'a dit: Jean-Pierre, écoute, tu t'en fiches, t'es le meilleur pilote, et donc ça m'a fait vraiment plaisir, parce que ça m'a gonflé mon ego et ça m'a empêché de mourir de tristesse. Donc on a parlé de la présence de Jean-Pierre Jarier sur Époque Auto, et puis on va parler un peu Formule 1, parce que c'est un pilote qui a fait de la Formule 1, et puis d'une année qui était une belle année, alors pas avec les résultats, mais avec des temps deux courses absolument géniales chez Lotus. Racontez-nous un peu ce qui s'est passé et ce qui a fait que vous étiez si vite chez Lotus. J'en sais rien, c'est la première chose, mais en réalité, je savais que c'était les deux autres courses que je ferais de l'année. C'est passé en fin septembre, et il était hors de question que je ne donne pas 100% de ce que je sais faire. Et ça m'a emmené au Grand Prix des États-Unis, qui était une semaine avant, j'allais gagner la course. Après un arrêt stand pour crevaison, c'est énorme comme temps perdu à l'époque. Parce qu'à l'époque, on s'arrêtait pas. Ça prenait un temps fou sur Geno. Et j'allais quand même gagner la course. J'avais rattrapé la Ferrari qui était en tête. Malheureusement, la voiture s'est arrêtée en panne d'essence. Le réservoir était un petit peu trop petit, parce que c'était la voiture de réserve pour Lotus. Bon, après, j'arrive au Grand Prix du Canada. Et je fais le meilleur temps. Le meilleur temps, pour moi, ça me touche, parce que là, j'étais sûr de moi. Je me suis dit, je vais vraiment... Ça me plaît de piloter sur ce circuit très sinueux du Canada. Et ce qu'il faut préciser, c'est que la personne qui était dans l'écurie avec vous, c'était Mario Andretti, qui était champion du monde. C'était pas n'importe qui. À ce moment-là, il avait gagné suffisamment de points pour être champion du monde. Et c'est un bon pilote, puisqu'il a été champion du monde cette année-là. Moi je suis allé plus vite que lui aux essais. J'ai fait le meilleur temps et lui a fait le dixième temps. Donc il n'était pas très content, mais comme c'est quand même un sportif, il a caché la peine. Et en fin de course, il restait plus que trois tours.
Gilles Villeneuve était à 40 secondes, c'est largué. Andretti, j'avais mis un tour pour la course. Et là, tout allait bien et la voiture est tombée en panne avec une fuite d'huile au circuit de freinage. Donc j'ai dû m'arrêter et j'ai pas eu le Grand Prix. Mais comme ça m'est arrivé 10 ou 15 fois dans ma vie de pilote de tomber en panne d'essence ou dans les pannes de gauche et de droite, ben j'étais pas tellement surpris. Et puis, il y a quand même un truc qui s'est passé, c'est que après la fin de toutes ces courses, là, on a risqué notre peau, c'était super dangereux. Jackie X et moi, on a dîné ensemble un soir il y a un an et il m'a dit toute façon, tu es vivant et le seul truc qui compte, et c'est un miracle, c'est qu'on soit tous les deux encore vivants vu ce qui s'est passé dans ces années-là. Donc tu n'as pas le droit de te plaindre une seconde. Sois heureux, mon pote. Tu as été un très grand pilote. Ça, c'est et pas surtout, tu es là. Mais surtout, t'es là. Et t'es là, et c'est ce qu'on disait, en super forme, donc voilà. C'est ça le principal. Merci beaucoup Jean-Pierre Jarier, merci beaucoup. Merci de m'interviewer sur des choses sympas comme ça. Bah, c'est le but, c'est ça que ça soit sympa. Merci beaucoup.